Salut tout le monde, c'est Jack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur American Fugitif et puis bon, on va continuer l'aventure. Donc il fallait qu'on aille voir le revendeur. Donc on avait fini avec pas mal de trucs. On avait fini avec Wayne, on avait fini avec Anna, on avait fini avec le croque-mort. Maintenant, et bon, on va aller voir un petit peu ce qu'il veut celui-là. Chambre du motel. Allez, c'est parti les gars. T'as du cran, dis-donc. Tu nous arnaques et tu viens nous demander du taf. C'est qui celui-là? Je me rappelle pas celui-là de l'avoir vu déjà. Tu m'aurais même pas donné l'heure sinon. Je crois que t'as raison. Et que t'as du bol. J'ai bien un truc à te faire faire. Tu vas probablement y laisser ta peau. Tu vas kiffer. Qu'est-ce que j'y gagne? Tio. T'en fais pas. On s'occupera de toi. Et n'utilise pas mon nom. Appelle-moi le réparateur. D'accrep. Je veux m'assurer que tu ne vas pas nous vendre si le fédéraux t'attrape. S'évader de prison, c'est un bon moyen d'attirer l'attention. Bah oui. Merde. Ne t'en fais pas pour ça. Bon, t'en fais pas pour ça. Anna se porte garante de tes résultats, ça me suffit. Mais si tu nous trahis, disons simplement que la réputation des Sidorovitch ne sort de nulle part. Ne sort pas de nulle part. Le boulot est simple. On va braquer une banque. Bon, ça m'a l'air pas si simple quand même. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Mon employé s'intéresse au contenu d'un coffre de dépôt spécifique placé dans la banque. C'est tout ce qui compte. Même si on veut déguiser le vol du mieux qu'on peut. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Tu poses beaucoup de questions, tu sais. Tu ne joues plus avec les gosses maintenant. C'est le moment de passer pro. Quand est-ce qu'on commence? Illico presto. Tu vas d'abord devoir te trouver une nouvelle arme. Un fusil à pompe parfait pour mettre tout le monde d'accord. Ça va être court, moche et sacrément flippant. Un peu comme mon ex-femme. Ah, il va me faire aller chercher un fusil à pompe celui-là, je crois. Qu'est-ce que tu veux? Rep m'a envoyé prendre du matos. Ok, c'est devant. Je vais juste... Dis, attends une seconde. C'est toi, t'es le gars qui fout la merde partout dans le coin. Oups. Clétus, rendu, on va chercher les gars. On a un fugitif qui a besoin d'un coup de fouet. Oh putain les gars, ça commence. D'accord. Putain les salopards. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, passe là-dedans, passe là-dedans, passe là-dedans. Voilà, recharge, recharge mon frérot. Recharge, recharge. Celui-là, on est dans la merde quand même. C'est quoi ça? Canyon Alpha. Oh putain, il était beau celui-là. Celui-là était beau, mais là, les gars, ça va être chaud parce que vous avez vu la quantité de keuf que j'ai au cul. J'ai une quantité de keuf au cul incroyable. En plus, faut que je me soigne. En plus, faut que je me soigne. Donc, alors, attendez. Petit bandage. Utiliser. Tac, là. Voilà, super. On s'en va. On va passer par là. Au calme. J'ai plus beaucoup de bastos. Donc là, on va faire comme ça. Sélectionner. Voilà. Ça causait un peu mieux déjà. Oh putain. Oh putain, il est là lui aussi, je l'avais pas vu. Oh putain, il y en a un là aussi. Ah, il suspect, il court. Bah ouais, mon frère. Attendez les gars, il faudra un bandage. Merci bien, ça fait toujours plaisir. On peut reprendre le fusil à pompe. On va reprendre le peupon si c'est faisable. Voilà, parfait. Je vais me cacher un peu là. Oh putain, les gars, c'est tendu quand même. Oh
Ça va péter, ça va péter. Parfait, parfait. Il me reste deux trucs à aller chercher là, là. Putain, mais ils sont trop vénères. Attendez, les gars, oh. Putain, les gars, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh là 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 là, cours, 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 mon frère, cours. Allez, vite, faut se barrer, faut se barrer. Localiser le fusil à pompe. Ah mais je l'ai pas localisé le fusil à pompe, mon frère. C'est que là, t'as vu, c'est plus le fusil à pompe là qui me chasse. Ok, donc là les gars, bon, va falloir que je trouve une tenue. Il va falloir que je trouve le moyen de me barrer d'ici. T'es où toi? Vas-y, viens là. Oh, putain, une calache les gars. On ramasse. Ah ouais. Attendez, ça fait plaisir ça quand même. Allez, je vais le staker, je crois. Hop. Porté. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça va, je cours, je cours, je cours. Ça, vous ne me voyez plus. Hop là. Voilà, il y a du carnage. Là, il y a du carnage, les gars. Alors, qu'est-ce qui me casse la tête depuis tout à l'heure? Localiser le fusil à pompe. Il est là, le fusil à pompe. Voilà, rapporter le fusil à pompe au réparateur. Donc, c'est bon, on arrive. Là, normalement, c'est bon, des étoiles, ça passe. Ok, excellent garde. Garde-le pas loin, tu vas en avoir besoin un fou peu. Ok, pas de soucis. Mais là, pour l'instant, on n'a pas braqué la banque. Donc, tout va bien. Je pense que ça va être maintenant la banque. C'est quoi ce bordel? Tu ne m'as pas dit que tu travaillais avec les McCoy? Ils font partie de nombreux fournisseurs, mais ça te concerne pas. J'ai besoin de savoir que tes problèmes personnels n'interféreront pas avec notre business. Ça sera pas un problème. Quelle est l'étape suivante? On va voler une caisse. Enfin, pas vraiment une caisse, plutôt un camion blindé. Il appartient à la banque qu'on va braquer. T'es sûr de toi? C'est un bon moyen de t'attirer pas mal l'attention. T'en fais pas, on gère. Fais juste ce qu'on te demande de faire et pense à prendre des uniformes aussi. On va les mettre à l'abri jusqu'à ce que l'on en ait besoin. Ok, pas de soucis. Ça va, c'est pas trop compliqué ça. Faut se barrer, c'est pas évident. Parce que le 4x4 il est incontrôlable. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ah putain les gars, carton là. Allez dégage, dégage là. Prendre l'uniforme. De quoi? Prendre l'uniforme de gardien de sécurité. En plus faut que je le braque. Par là, comme ça, allez, je vais pouvoir descendre tranquille. Allez voir, fouiller, porter. Ça, j'en ai rien à cirer. Hop, on reprend le camion, on se bat. Ok, parfait. Ah, pardon. Pardon, mon frère. Nickel. Mission accomplie. Parfait, mon pote. T'inquiète, j'arrive. Si je ne la connaissais pas mieux, je dirais que notre Anna, elle a un faible pour toi. Ah bon? Un faible pour m'utiliser, tu veux dire? C'est comme ça qu'on fait la cour dans cette famille. On est tous les démenteurs, comme elle te l'a dit. C'est comme ça, point barre. Minute papillon.
Anna est de ta famille? Tu savais pas? Ah bah, elle t'a vraiment attrapé dans ses filets, hein. L'embrouille à la fête, c'était pour tous nous humilier. Sa sœur, sa cousine, Anna, son oncle. De quoi? Il ne manquait plus que toi. On ne le savait pas à l'époque, mais elle nous a volés et elle s'est foutue de nous. Et ça te gêne pas? C'est une Sadorovitch, au contraire. Ça me rend fier d'elle. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quoi qu'il en soit, on a une mission à accomplir. On parlera là ensuite de ton futur. Ok. On a besoin du code de coffre-fort de la banque avant de faire ce braquage. Je vais te donner l'adresse du directeur de la banque. Te fais pas repérer, pigé. Oh là là, je mettrai ma main à couper que le code est conservé dans une sorte de coffre. Mieux vaut rechercher des indices. Ouais, bah ouais. Oh putain, ça va être encore une mission de ouf. Vas-y, prends. Ok, il habite ici, lui. Pas de soucis, mon frère. On y va, nous. Tu sais très bien. Alerte non détectée. Allez, on fouille tout, les gars. C'est parti. Donc ça, bah ouais. Ça, on va prendre. Ok, pas de problème. Ça, on prend, j'ai dit. Ouais, non. Ça, on prend pas, par contre. Hop, on fouille. Non, j'en veux pas, merci bien. Merci d'être venu, surtout. Ça, s'il y a du monde, je claque le pétard direct. Je prends. Merci. Je prends. Il est là, le coffre. Ok. Donc, il faut que je trouve, c'est le... Comment ça s'appelle? Le code. Il doit y avoir des... Comment ça s'appelle? Des prospectus ou des papiers à trouver, là. Donc, on va essayer de trouver le papier. D'accord, ok, ouais. Super. Super, super. Faudrait se manier un petit peu, quand même. Y a rien comme indice. Ou à moins que je l'ai ramassé, j'ai pas fait gaffe. Là-dedans. Entrée par effraction. Attends, bouge pas. Ah merde. Fouillez. Vite, mon frère. Vite. Prendre. 2408. 2046. Ok. Prendre. Tac. On se barre. Hop, normalement, elle est là-dedans. Ok. On va le coffre. 2046. Hop là. Lire. Hop là, c'est bon. De quoi? Suite à une erreur administrative concernant la nanana. Il est noté que le code de ce mois-ci a changé de nanana à 1 et non nanana comme indiqué précédemment. Ok, pas de soucis. T'inquiète, je me sauve. Mission accomplie. On arrive. J'arrive. Je pense que là, c'est bon, on va pouvoir faire la banque au calme. Alors. Le voilà, l'homme du moment. T'es vraiment impressionnant. Impressionné. T'as vraiment impressionné mon oncle. C'est pas une chose facile à faire, Will. T'aurais pu me dire que vous étiez parent. J'aime savoir pour qui je bosse. Fais pas le vénère, toi. J'étais en colère contre lui. Je voulais juste lui faire passer un message. Le message a été passé. On est de nouveau une grande famille heureuse. D'accord. Et on tiendra le marché d'Anna pour t'aider. On ne brise pas nos promesses. Alors voilà le plan. Conduis le camion blindé à la banque comme il s'agissait d'une collecte normale. Donne au directeur de la banque le code et récupère le coffre-fort 59 dans la chambre forte. Tu rentres, tu prends le coffre et tu décarres. Je vais m'assurer qu'il y a un bolide qui t'attend dehors. Bonne chance, petit. 2000$. Vas-y, donne. Donc bah voilà les gars, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Pour la prochaine fois, bah on ira se faire le petit braquage, on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, parce que je pense que la vidéo déjà ça risque d'être pas mal. Donc on verra ça. Donc bah laissez des messages dans les commentaires si ça vous a plu. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc bah portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.